Superstar tennis mondial là, Naomi Osaka, après que le président de la République a été recevoir le jeudi et 8 novembre, te rendu vendredi dans la ville Jacmel, côté papal, Pierre Léonard prend naissance. Yon équipe télévision nationale te sur place. Reportage Pierre Miguel, Pierre Gilles et Emmanuel Aturin. Après le fin de visiter Centre Sport pour l'Espoir Haïti et Palais National, Superstar Tennis Mondial là, Naomi Osaka, t'a poursuivre avec série visite Lyon côté le terrain li, journée jeudi 8 novembre 2018 là dans ville Jacmel, qui c'est ville natale parpal Maxime François Léonard. Accompagné avec famille, numéro 5 mondial là te recevoir yon bon accueil dans même population Jacmelien nan depuis le arrivé dans aéroport ville Sila, côté magistrat adjoint chef le département Sides là, Ludi César, directeur départemental Sides éducation nationale là, Nikès Emmanuel, avec divers autres notables dans ville là, sans compter divers élèves l'école dans tout petit coin dans cité Alcibiade premier acte là, te vinn recevoir Justinis 21 ans, championne Indian Wells 2018 là, pas de mots pour te exprimer satisfaction pour accueil ça. Vraiment content et n'est pas capable de parler créole tellement. Merci du fait que tu devines. Jean regardé là, après le fin de quitter l'aéroport, délégation a pris direction Bonogé, localité La Font, toujours dans Jacmel, côté Naomi Osaka, a inauguré une école qui dégagé ne pas gagner dans la localité Silla, qui c'est IOA, International Outreach, qui gagne plus passé 20 ans depuis l'existé. L'école Kindergarten Silla qui gagne pour mission accueillir, accompagner et bailler timoun qui gagne de 3 arrivé 5 ans yo yon bon éducation, terre aménagé et sibi pou kounya yon lot inauguration côté fondation Osaka pral rete pi près institution Silla. Sentiment c'est que nous très content et que nous jenon accueil qui très chaleureux, comme nous connaît moun Jacmel c'est moun qui très hospitalier, comme nous connaît sport en général son bagay qui mande en pile entraînement. Magistrat adjoint ville Jacmel là, Ludi César, pas de prendre le temps pour te remettre petite fille Léonard François Cléville là, qui d'après lui a permis à Naomi Osaka entrer dans ville si là, les jours à date qui fait le plaisir et puis tout offrir cadeau à famille Osaka. Dans le leader communal là, Bibiane Gustave Fleury, te remettre yon jeb fleur à Naomi Osaka, nan l'idée pour féliciter juge là et remercier pour jeune la briller dans la discipline sportive ça. N'a pas signalé, à cause santé le pas trop fin dans le moment, Naomi Osaka te annulé diverses visites qu'il te gagne pour le faire dans ville Jacmel, tant que centre sportif là, université sud-est là, à coiffe touristique là et la trier. Série visite si là yo après poursuivre dans le pays là, côté ambassadrice, bonne volonté pour promotion sport dans le pays là, département nord, côté la bien pour le rendre dans le stade là avant de quitter le pays à samedi 10 novembre. Qu'a pointé là. Ludi César, qui c'est maire adjoint commune Jacmel là, senti que yo très honoré le fait que yo accueilli Naomi Osaka na ville là, même quand il regrette que programmation a totalement pas de cas respecté parce que Naomi pas de porter trop bien elle gon grippe avec on fièvre n'a côté maire adjoint. Naomi Osaka, nous avons considéré tant qu'il y a une icône internationale. Mais comme nous connaissons l'origine, c'est Jacmel, donc Livini Jacmel pour Livini faire connaissance, mais pour Livini frotter avec la communauté jacmelienne. Donc c'est avec un pile chaleur que nous accueillons. Mais malheureusement, le parcours qui était fait là, il est dévié par rapport avec problème de santé. Donc, n'a pas gardé le maximum possible ça nous capable faire pour permettre que li pas regrette et passage de Jacmel pour le moment. Vous pensez que la présence Naomi est capable de courage jeune faire plus fort? Je pense que c'est un bagage tout que jeune besoin garder parce que normalement Naomi, si jeune considère le temps pour un modèle, donc il y a intérêt pour encourager et surtout jeune qui a encouragé dans la cause et sport. Bon, pour quelque soit discipline que jeune lui-même lui choisi, parce que li important à ce que jeune yo ta capable choisir Naomi comme modèle. M'a parlé de Naomi parce que normalement li gen un déchirure d'après ça nous apprendre et puis li gen tous. Donc ça fait que yo pas voulait trop exposer surtout avec différents déplacements yo. Donc c'est une raison qui fait que li pas capable couvrir donc tout parcours qu'elle t'a gagné pour te faire. Parce que l'été doit visiter l'hôpital Saint-Michel, l'été doit aller dans l'université publique et Jacmelin, malheureusement, il n'est pas qu'à aller. Donc là, il seulement descend et puis il vient dans l'école et IOA. L'école IOA, c'est l'école que papa lui-même t'a gagné en fait, t'a gagné en chance pour faire Jacmel qui fait don à Timoun Sao parce que c'est l'école kindergarten que Timoun Yo même bénéficié dans la communauté. Donc il est entré dans le cadre pour faire et
comme on a dit, une inauguration, parce que l'école là, elle innové, elle a grandi par rapport avec ça que lui-même était avant. Donc c'est un bien quand même pour la communauté. Bon côté Pali, Nikès et Manuel, qui est directeur départemental ministère éducation nationale, saluer l'initiative famille Osaka qui dotait Villa dont l'école en plus. Et le fait qu'on est, il a pris toute disposition pour l'école ça opérationnelle dans pas longtemps. Je dis à nous consacrer du temps pour nous dire. Pour nous dire que profond amour que nous manifestons pour lui. Et tout, nous comptons parce que nous, lui prend Timounio à cœur, l'école préscolaire là en Haïti, qui peut fin formaliser net, parce que dans pile Timoun qui parle l'école dans l'âge 3 ans à 5 ans, nous, c'est lui-même qui mettait en priorité. Nous considérons comme un vecteur. Nous demandons pour. Tout technicien qui n'a éducation en bas mais forte à l'école là tant que nous t'avons envie de visiter lui nous joindre grand pile travail pour nous faire pour nous agrandir pour nous améliorer infrastructure là pour l'école là capable on l'école tout bon vrai ministère éducation nationale plus particulièrement ministre Agino Kadé li te voyé une délégation sorti Port-au-Prince même pour venir pour l'école là capable non seulement qui ont reconnaissance légale et l'école là tout pour les capables fonctionner normalement. Okay. Mesdames, Messieurs, bonjour. La télévision nationale d'Haïti en direct du Palais national. Le président de la République, Jovenel Moïse, et reçoit ce matin la superstar haïtiano-japonaise Naomi Osaka. Avec moi pour couvrir l'événement, ça, collaborateur moi, Smith Griffon. Smith, bonjour. Et bonjour, Guy Petit Frère. Et nous saluons tous les amis téléspectateurs de la télévision nationale. Il faut situer l'événement dans le contexte. Pour dédiquer, c'est visite en Haïti de superstar tennis international. Là, Naomi Osaka à la grande thème qui peut-être se met une semaine griffon, c'est l'haïtiano-américano-japonaise Naomi Osaka. N'a pas parlé que papa Lé, c'est monsieur Léonard François qui sont haïtiens. Haïtiens qui est originaire de Jacmel. Donc ah oui. Naomi Osaka sont trinationales. Et n'a pas rappelé que déjà Naomi Osaka prend place probablement d'ici quelques instants. Oui, c'est Naomi Osaka, tout de jaune vêtu. Tout de jaune vêtu, oui. Et pour l'instant, c'est l'arrivée. Et à l'instant, c'est l'arrivée du président de la République, Jovenel Moïse, accompagné de sa femme Martine Moïse. À l'arrière-plan, le Premier ministre Jean-Henri Séan. Et puis le président du Sénat Joseph Lambert. Donc, il y a un pile de personnalités qui présentent à la salle de presse du Palais National et à l'occasion de cet événement. Donc, pour le moment, il y a une conversation entre le président de la République et le sénateur de l'Ouest, Patrice Dumont, qui est président de la commission sport au niveau du Grand Corps. Oui, le président qui a pris place, son Excellence Jovenel Moïse, qui est accompagné de Madame Ni, le Premier ministre Jean-Henri Séan, le président du Sénat et de l'Assemblée nationale, Joseph Lambert. Et il faut dire qu'il y a une commission ministérielle que le gouvernement est en charge pour organiser l'événement. Ça. Tout d'abord, il y a le ministère des Affaires étrangères, des Affaires de culture et communication, le ministère de la Jeunesse et des Sports. Du Sénat. Messieurs les membres du corps législatif, messieurs les membres du gouvernement, messieurs les membres du corps diplomatique, mesdames, messieurs, en vos rangs, grades, titres et qualités. Bienvenue à cette cérémonie d'honneur à une grande championne, madame Naomi Osaka. Naomi Osaka est née le 16 octobre 1997 à Osaka, de père haïtien, M. Léonard François, qui vient de Jacmel, et de mère japonaise, Mme Tamaki Osaka. En l'an 2000, toute la famille a émigré aux États-Unis, et c'est le papa de Naomi Osaka, grand fan de tennis, qui a initié ses deux filles, Marie et Naomi, à ce sport combien difficile, un sport qui demande beaucoup de travail, mais un sport aussi qui demande beaucoup d'humilité. La carrière de Naomi Osaka commence réellement son ascension en 2016 quand Madame Naomi Osaka a atteint les troisième tours de trois grands tournois majeurs du Grand Chelem. C'est l'US Open, Roland Garros et Open d'Australie. Et Naomi Osaka
a travaillé avec son père qui lui a suivi les méthodes d'un certain Richard Williams qui lui est le père d'une certaine Serena Williams. Comme quoi l'élève qui a dépassé maître là. Et tout le travail, toute l'énergie de Naomi Osaka a eu son apothéose le samedi 8 juillet 2018 quand elle a battu Serena Williams en finale de l'US Open, les internationaux des États-Unis, en deux petits sets, 6-2 et 6-4. Mesdames, Messieurs, je vous demande à grand cœur d'applaudir une grande championne, Madame Naomi Osaka. Le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, depuis son arrivée, partisan de l'excellence, a fait de Madame Naomi Osaka une ambassadrice d'Haïti pour le sport en général. Je vais vous lire la commission. Liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti. Jovenel Moïse, président de la République. Palais national, le 6 octobre 2018, en 215e de l'indépendance. Par les présentes, la dame Naomi Osaka est nommée ambassadrice de bonne volonté pour la promotion du sport haïtien. Avant la commission, le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, a un cadeau pour Madame Osaka. Le service du protocole, c'est un cadeau, c'est une surprise. C'est une surprise, on le sait très bien. Madame Naomi Osaka, qui est d'origine haïtienne, de nationalité américaine et japonaise, le président. Mais oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pour les caméras. Le président de la République qui va remettre un drapeau entièrement fait à la main à Madame Osaka, s'il vous plaît, pour les caméras. Entièrement fait à la main. Le drapeau de la République d'Haïti à l'ambassadrice Osaka. Veuillez applaudir, s'il vous plaît, oui. Merci. Et maintenant, j'invite le président de la République à remettre l'ampliation de l'arrêté de la commission faisant de Madame Naomi Osaka ambassadrice de bonne volonté pour la promotion du sport haïtien dans le monde. Monsieur le président. Par la même occasion, j'invite le président de la République. Par la même occasion, j'invite le président de la République pour ses mots de félicitations. Ah, on va donner la plaque d'abord. Parfait. Le président de la République tient encore une fois à féliciter l'excellence, à encourager l'excellence, car on le sait, Naomi Osaka, c'est la seule haïtiano-japonaise qui est, on va dire, de tout sexe confondu, championne de tennis. Il n'y a pas encore un haïtien ou un japonais ou une haïtienne ou une japonaise qui a déjà remporté le un grand chelem entre ces deux pays. Ça fait que Madame Osaka est spéciale. Le président voulait encore une fois marquer ça, après sa nomination en tant qu'ambassadrice, le président voulait marquer cette cérémonie par la remise d'une plaque d'honneur. République d'Haïti, lecture de la plaque. République d'Haïti, présidence de la République d'Haïti, honneur et mérite, décerné à Madame Naomi Osaka, haïtienne d'origine, ambassadrice de bonne volonté, pour sa contribution au rayonnement des valeurs sportives. Monsieur le Président, je vous invite à remettre la plaque.
Et oui, je le disais tout au début, le président de la République, c'est, on va dire, un fan inconditionnel de l'excellence. C'est quelqu'un qui prône l'excellence. D'ailleurs, lui-même, il s'exige cette excellence. C'est pour ça qu'il voulait souligner cette journée en encle d'or, en faisant de Madame Osaka ambassadrice de bonne volonté et en la remettant cette plaque d'honneur. Eh bien, le président a aussi de bons mots de félicitations pour Madame Osaka. Monsieur le Président, pour vos mots de félicitations. Merci, asseyez-vous. Madame la Première Dame, Monsieur le Premier Ministre, Monsieur le Président du Sénat de la République, Messieurs les parlementaires, Président des commissions jeunesse et sport du Sénat et de la Chambre des députés, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet ministériel, Monsieur le chargé d'affaires du Japon, Madame la représentante de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, ma très distinguée hôte d'honneur, Monsieur le président de la Fédération haïtienne de tennis, Monsieur le président de la Fédération haïtienne de basketball, Monsieur le Président de la Fédération haïtienne de volleyball, Monsieur le Président du Comité olympique haïtien, distingués parents et amis de la famille Osaka, Mesdames, Messieurs les membres de la presse, distingués invités. Je prends plaisir à remercier le père de Naomi, haïtien d'origine, haïtien de sang, fils du Sud-Est, fils de Jacques Mel, après la grande victoire de Naomi lors de cette finale de US Open. J'ai eu à tweeter pour féliciter et remercier Naomi, qui est une fille, je dirais, spéciale, parce que née au Japon, émigrée aux États-Unis, d'origine haïtienne. Cela veut dire, c'est une fille que je peux dire qui a presque trois terres natales, les États-Unis, le Japon et Haïti. Et à son arrivée à l'aéroport, j'ai vu à la télévision les trois drapeaux qui flottaient dans les mâts du salon diplomatique. Le drapeau japonais, le drapeau haïtien et le drapeau américain. Je vous demande d'applaudir Madame Naomi, Mademoiselle Naomi Osaka, pour cet exploit. Je veux envoyer un message aujourd'hui à la jeunesse haïtienne qui se trouve un peu partout à travers le monde. Je ne veux pas parler des jeunes qui vivent non seulement en Haïti, mais les jeunes qui vivent aussi à l'extérieur. Voilà un modèle. À 21 ans, Mademoiselle Osaka est devenue une championne du monde. Haïti, cette terre de liberté, cette terre sacrée, est championne aussi aujourd'hui. Je veux vous dire, jeunes de mon pays, que votre avenir dépend de votre capacité à franchir les obstacles. Il faut dire aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer, de fêter
Mais est-ce que nous nous posons cette question un jour pour dire quels sont les sacrifices que le père, la mère de Osaka, la famille de Naomi a consenti pour qu'elle soit là où elle est aujourd'hui à 21 ans? Vous ne vous posez pas cette question. Rien ne se fait pas dans la vie sans sacrifice. Pour détrôner Serena Williams, cette dame puissante, parce que je suis un fan de tennis aussi, je regarde très souvent. Cette dame, quand elle joue, moi-même, c'est la vitesse des balles de Serena Williams. Et à 21 ans, Mademoiselle Naomi a détrôné Serena Williams en 2-7. Pour ne pas dire, elle a éliminé Serena Williams. Il faut essayer de comprendre les sacrifices qu'il y a derrière tout ça. Moi, ce sont ces sacrifices aujourd'hui, jeunesse de ce pays, que je vous demande à faire aussi. C'est au prix de dur labeur que vous allez réussir. Rien n'est facile dans cette vie. Et c'est au prix de dur labeur que cette fille de 21 ans, mondialement reconnue, et je dirais, Haïti est honoré ce matin de vous recevoir. Haïti, cette terre d'hospitalité, cette terre de fierté, est fière de vous avoir ici, chez votre père. Et je sais que vous allez partir pour le Sud-Est. Vous allez visiter, comme vous l'avez si bien fait en 2017, vous allez revisiter la ville natale de votre père. Et les gens de Jacmel vous attendent, parce que Jacmel, c'est l'une des villes les plus hospitalières de ce pays. Et les Jacmeliens et les Jacmeliennes qui me regardent ici, je vous demande de recevoir cette championne du monde, Mademoiselle Naomi, avec tout l'honneur qu'elle mérite. Je remercie tout le monde qui t'a participé depuis peut-être 3 jours pour te faire visite Naomi en réussite dans le pays. Et m'a encouragé nous, membres fédération tennis, tout fanatique, tout le monde qui remet sport dans le pays, ministre sport là qui l'a, premier ministre, pour que reste visite là quand on réussite et Naomi qu'a allé avec un souvenir que le pape jamais oublié dans le cœur. Souvenir côté loin, pays papal. Côté long, bout de papa enterré. On connaît au pape qui a traduit ça. Bon. Ça fait que moi, quoi, fierté papa, je dis un boule là, pour la caille. Pour le poil, à la avec vous, dans la ville côté le défait là, m'a dit. Ou même Naomi, je vous dis, Haïti, fier de vous. Haïti, quoi dans excellence. Haïti, quoi dans ça qui est bon. Et c'est ça que fait nous toujours dire, nous travaillons pour que l'image pays nous, l'image Haïti chérie nous remet en pile là. Jean, vous avez fait ça pour nous. À travers la planète là, pour le cas changer. Pour tout le monde sur la terre, qui arrive au pays, ça, on l'autre gens. Merci beaucoup.
Et maintenant, il revient à l'ambassadrice de placer quelques mots. Je suis certain que toute l'assistance, tout le pays même, attend les mots de Naomi Osaka. Mrs. Naomi Osaka, you are welcome to some words to the people. C'est ça, monsieur. Hello. I didn't know I was supposed to talk, so I'm just going to try to keep it really short. Je ne savais pas que j'étais supposée parler, mais je vais essayer de parler très brièvement. Okay. Firstly, thank you so much for inviting me here. I'm really grateful, and just thank you everyone for coming. And yeah, I'm really excited to see more of Haiti. It's my father's homeland. It's also half of who I am. So I'm just looking forward to seeing everything. And merci beaucoup pour accueil nous ici là. Merci beaucoup pour tout le monde qui ici là dans pièce là. Et moi vraiment très content pour moi en Haïti ici là aujourd'hui, hein, parce que c'est pays papa. Oh, okay. You can proceed. Continue. Just so thank you so much and okay. Donc merci en pile. Merci en pile. Et voilà, c'était la championne des internationaux de tennis des États-Unis 2018, mademoiselle Naomi Osaka. Maintenant, selon les coutumes du protocole, il va y avoir les échanges de cadeaux. Il va y avoir les échanges de cadeaux avant. Ensuite, on prendra la photo de famille. Il y a la première dame qui tient à offrir à madame Osaka, hein, un sac artisanal entièrement haïtien. Donc, c'est la première dame, madame Martine Moïse, qui va offrir à la championne 2018 de l'US Open un sac haïtien entièrement fait à la main, un sac artisanal. Et voilà. Et oui, je crois qu'on va enlever le... Oui, il faut enlever le couvercle. Don't tell this fact. Et voilà. Je crois que là, on a une idée de la beauté de ce sac et de l'énorme travail qui a été fait aussi pour réaliser ce sac. Voilà. Ensuite, je crois que Madame la Première Dame a aussi un cadeau pour le père. Pour la grand-mère, voilà. La mère. Pour la mère. Et voilà. Encore une fois, il faut le déballer. Faudrait le. Ce genre, yes. C'est un tambour. Et voilà. Maintenant, c'est le président de la République qui, lui, va remettre un livre au père de Naomi. C'est un livre intitulé Les trésors de la République. Et maintenant, on invite les membres du protocole et les membres de la logistique pour la photo de famille. Pour la photo de famille, s'il vous plaît.
Voilà, et mesdames et messieurs, nous arrivons dans un point et culminant et cérémonie. Matin, le président de la République, là, au Palais National, recevra et championne haïtiano-japonaise, Naomi Osaka, qui gagne tout, et citoyenneté américaine. Et pendant l'intervention de circonstances, le président Teddy Tirambik pour Naomi, il félicitait, il profitait tout, exhorter jeunes haïtiens pour prendre un exemple, et Naomi, puisque c'est pas facile pour Naomi d'arriver au sommet du tennis mondial, ça c'était pris de grands sacrifices et l'idée tout et profiter et remercier la famille Osaka ainsi que le père de Naomi qui était initié dans ce sport-là, le tennis, et par la suite tu as gagné et échange de présents, donc le président qui offre cadeau à Naomi, qui offre cadeau à maman ainsi qu'à papa Lee. Et donc c'était vraiment intéressant matin au Palais National. Justement, et bien là que nous retournons sur des interventions au président de la République là, et pour qu'on y ait c'est prise de photos et comme d'habitude et pour immortaliser le moment. Ah oui, si nous prenons, c'est d'abord la sœur de Naomi, c'est Marie, et puis avec Rad John, c'est Naomi, le président de la République, la première dame et la mère de Naomi, bien sûr monsieur François, et le père de vont s'ajouter le premier ministre Jean-Henri Siyan, le président du CSPJ de la Cour de cassation Jules Cantard, et il y a aussi le président de l'Assemblée nationale, le sénateur Joseph Lambert. Ouais, Bofan dit qu'il y a du beau monde, et à part disons les représentations diplomatiques par exemple du Japon, des États-Unis, et bon, on va comprendre présence, c'est les représentants du Japon et des États-Unis, puisque et Naomi gagne une certaine attache et aux États-Unis, puisque il émigre aux États-Unis, oui. Et puis le Japon c'était natal. Oui, faut signaler que Naomi fait à Osaka au Japon, et à l'âge de 3 ans lui-même avec famille émigré aux États-Unis, particulièrement du côté de Boca Raton, et depuis lors, et c'est comme ça. Faut dire que progression Naomi, c'est surtout et pendant l'année 2018 là, nous avons dit ça justement, c'est peut-être l'une des révélations de l'année. Mmh. Et pour que j'ai que le remporté US Open, non, mais bien avant, il est vrai que US Open, c'est ça qui est plus important, hein, et son grand chelem, mais tout le remporté tournoi Indian Wells. Ça, il y a l'autre monde qui vient ajouter à prise photo à nous et ministre Affaires étrangères là, M. Bouchit, ministre Jeunesse Sport là, et il y a le sénateur Foucan qui est là également. Le sénateur et Patrice Dumont, qui est président de commission sport au niveau du Sénat. Oui, il y a également le président de la commission des sports au niveau de la Chambre des députés, M. Chéri, mais qui n'est pas Fritz Chéri. Ah oui. Okay. Fritz Chéri est son prédécesseur. Son prédécesseur, il faut bien le préciser. Et on appelle l'ambassadeur Duhain, et qui était fait 8 ans au Japon. Ambassadeur. Et il était tout dans le comité organisation. Il faut dire qu'au niveau de la présidence, au niveau du gouvernement, il y a une pile disposition qui te prend pour que accueille ça à Naomi Osaka pour te digne quand même en dimension championne. Ah oui, c'est une grande championne, Naomi qui est entrée dans l'histoire du tennis mondial, donc à 21 ans seulement, déjà vainqueur, lauréate de l'US Open, et donc c'est une grande précocité de ce sport, et Naomi qui a marché évidemment sur les traces de modèles idoles, et Serena Williams, et c'est Serena même qu'elle débatte et dans la finale US Open. Non. Et à présent, le ministre de la Culture et de la Communication, Jean-Michel Lapin, et qui a pris place bon côté officiel. On a signalé le dernier classement WTA, c'est un classement chaque semaine que tennis mondial l'a fait sortir, et pour l'instant c'est Naomi Osaka numéro 5. Il faut dire qu'elle était numéro 4, mais puisqu'elle est blessée au cours de Master, elle perd une place. Donc son progression énorme de Naomi Osaka. Alors, on va également parler de Mélanie, ancien secrétaire d'État des Sports, et qui est membre de la famille du père de Naomi, Madame Paul Mélanie. C'est la cousine de M. François. Alors, on nous dit que la visite de Naomi Osaka, la continue dans quelques minutes, la vient pour lui prendre direction Jacmel, la ville natale de son père. C'est encore des présents. 6-2-6-4, le samedi 8 septembre 2018, qui a fait de Naomi Osaka la seule haïtiano-japonaise championne de Grand Chelem. Grand applaudissement, s'il vous plaît. Et pour le moment, le président de la République, c'est mon ambassade, donc on cérémonie. Le premier ministre
les différents présidents des pouvoirs, la famille Osaka a, s'il vous plaît, passé au cocktail prévu en cette occasion. La première partie, cérémonie est pratiquement bouclée. Ah oui, première partie a été bouclée. Donc, après, on va l'offrir donc, à la famille Osaka, il y a un cocktail, ainsi que les représentants et du corps diplomatique et consulaire, et quelques membres du gouvernement, des parlementaires ici présents. Donc, comme nous avons dit tout à l'heure, c'est une visite qui a continué. Oui. Et dans quelques instants, Naomi, après cérémonie, il prend la direction du Sud-Est, plus particulièrement et la ville de Jacmel, ville natale de son père. Et Naomi, qui a quitté le pays le samedi. Samedi, mais bien avant, vendredi, il y a pour lui le musée du Panthéon national et particulièrement la citadelle où on a écrit sa flamme au Cap-Haïtien. Naomi, qui recevra dans le pays depuis son arrivée. Depuis mardi. Mardi 6 novembre 2018, un accueil digne de son standing. Champion. De son standing. Et donc, c'est un pays donc, qui bien recevra et championnant. Et d'ailleurs, qui a des liens très forts avec Haïti, puisque il y a le sang haïtien qui a coulé dans les. Ah oui, c'est très important parce qu'elle est toujours souligné ça. Oui. Et il est vrai que Quentin dit tout à l'heure, il fait au Japon, dès l'âge de 3 ans, il émigre aux États-Unis, mais papa, il est haïtien, il a toujours un attachement à Haïti. Haïti. Donc nous comprenons que Haïti a un honneur cette semaine pour lui recevoir cette grande championne, Naomi Osaka, nous avons oublié Jasmine Griffon, et pendant l'intervention de circonstances du président de la République. Président, c'est un grand fanatique de tennis. De tennis, oui. Et donc, l'effet par arrêté présidentiel de Naomi, eh bien, représentante de bonne volonté du sport et national. Donc, c'est très important pour gagner une telle figure, une figure de proue, eh bien, comme ambassadeur de bonne volonté et pour promotion et sport national. Là.